っす。こんにちは、仲間さん、アキマケイタです。ペルソナ5スクランブルに行きましょう。マリコさんの刑務所を探検します。行くぜ。仕事の時間だぜ。OK。J'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai fini de faire mon whip, donc c'est bien. Et on va infiltrer cette putain de prison. Et bah écoutez, j'ai fait les quêtes secondaires, voilà, j'ai pris un peu de level. Donc techniquement, ça devrait bien se passer. Mieux que la dernière fois, du moins, parce que bon, la dernière fois, c'était un peu compliqué, hein, on va pas se mentir. Ça devrait aller. Alors, j'ai des requêtes qui traînent, ça, mais c'est des requêtes répétables. Vous savez, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait Ichinose qui avait dit que si on lui ramenait des puces informatiques, elle nous faudrait de la thune. Et en fait, elle donne beaucoup de thunes. Mais je ferai ça un autre moment. Là, pour l'instant, au niveau thune, ça va. Alors, je sais plus trop, on avait coupé le chauffage. Enfin, plutôt allumé le chauffage, plutôt. Couper le chauffage, c'est un peu mort depuis longtemps, je pense. Et il n'y a plus grand chose à faire là, non? On va retourner au parc et on va aller au jardin botanique, du coup. Bon, malheureusement, on va partir du principe qu'on va arrêter de jouer des persos un peu random. Donc voilà, là, je vais commencer à. Obligé de prendre une team qui exploite plus ou moins les faiblesses, hein, finalement. Il n'y a plus trop le choix, quoi. Donc, Yusuke, malheureusement, tu vas pas faire grand chose dans ce donjon. C'est un peu triste. On va prendre Anne avec nous. Sophia, en vrai, elle a le même level que Morgana. On peut la garder, les deux heal et tout. Donc voilà. Et un dernier, écoutez, on prendra Lou. Je pense que c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? De la glace, de la neige. J'adore la neige, pas du tout. Je préfère l'été, moi. Et voilà, c'est dans mes origines, le froid, on n'aime pas ça. Ça va pas. On y est, voilà le donjon. C'est le deuxième, allez en avant. Alors, je sais pas si t'as vu, mais il y a des ennemis quand même, Anne. Hein. Allez, on arrache la tête de l'hélicoptère. Quoi, pardon? Ok, c'est bon. Alors, c'est quoi ces faiblesses? La lumière, je suppose. Bah voilà, lumière et vent. Faible, pourquoi? Qui est faible? Ah, oui. Bah, j'en profitais, hein. Allez, hop. Voilà, ça c'est fait. Ça me dégage. Voilà. Par contre, du coup, il va pas faire grand chose, Pierre-San. C'est qui bombarde comme ça? C'est à vous? Le son là. Les coups critiques c'est en option ou... Attends, c'est quoi, vas-y. Hop. Voilà. C'est ce que je voulais faire. Oh, deux masques. Et là, bah, circuit intégré. Alors je sais pas si c'est des circuits intégrés normaux pour la quête ou si c'est des autres. J'ai pas fait gaffe. Hein. Et il y a de la bagarre en bas. Ok, mais là c'est... Ils sont fait exploser là. Alors je vais pas trop m'avancer, mais on dirait bien que le problème d'XP est un peu réglé, ou temporairement on va dire. Non, non, les... J'ai pas laissé un monstre derrière moi. Ah bah si. Lui de derrière comme ça, tranquille, il faisait sa vie. Ah bah c'est une grosse bagarre là. T'inquiète, on aura à l'eau, t'inquiète.
Ah. Oh, ok. Alors, si c'est faible au gun, ce qui est fort possible, oui. Eh ben, ça va switcher sur Alun. Ouf. Oh là là. C'est ridicule quoi. D'ici je peux. Étourdissement ? Il est étourdi. Ah Joker. Il y a du monde en vrai, hein. Oh la vache! Il y a grave du monde! Ouais, Kalou, ça marche bien du coup, quoi. C'est débile. Avec, plus, avec les balles de lance-roquette infinie, là, c'est... Ah tiens, pas assez loin par contre. Oh bah c'est nettoyé hein. Sans trop de problèmes. D'où il m'a vu lui, mais d'où il m'a vu? Joker, tu peux te barrer s'il te plaît? Merci. Bon ça aide pas parce que de toute façon là je peux pas en fait. Bon bah pas le choix, va falloir bourriner je pense. Hein. Attendez, si. Attends, je peux pas faire d'embuscade là? Mais c'est ridicule. Bon. Tant pis. Très bien. J'arrive pas à faire le tourbillon là. Bon, c'est pas grave. Ils sont tous morts donc. Bon. J'entends un coffre mais. Allez là, c'est bon. Ouais, je l'ai vu, mais attends, laisse-moi y aller. Oh. Petit renversant. Fin de sauvegarde. Hop, c'est bon, on peut se TP au cas où. Et c'est parti pour faire du snowboard. Let's go. Oui, du snowboard après le skate, oui, pourquoi pas. On devrait pouvoir descendre par ici. Faudrait juste faire un peu de ménage. La panthère raide en plein de... Ça serait... Ouh, attendez, je crois que j'ai un petit problème sur mon record là. Le Streamlabs qui est en train de râler là. Pas un snowboard là, pourquoi on l'utiliserait pas pour glisser jusqu'en bas? Ah oui, alors deux secondes Ryuji. Bon. Ok, juste voir si j'ai pas un problème sur mon record, vite fait. Ok, on est reparti. Alors je sais pas trop ce qui se passe, je crois que mon PC est un peu fatigué, je l'ai un peu torturé tout à l'heure. Là j'avais essayé l'émulateur Wii U là avec Breath of the Wild en 4K avec full option ray tracing et tout le bazar, donc je pense que ça l'a un peu fatigué. Mais je crois pas que ça s'est vraiment vu. Dans le record. Oui, je suis littéralement en train de... Oui, je sais, c'est n'importe quoi ce qui se passe. Faites pas attention. C'est juste débile, putain. Ah yes, c'est du hacking. Ouais, bon bah pas le choix, hein. C'est le genre de face que j'aime pas trop, mais pas le choix. Je surveille le retour en même temps, voir si ça bug pas. Alors, je vais pouvoir le pirater si vous me laissez une seconde. Bah, tu auras plus qu'une seconde, par contre. Hein. Allez, on va le protéger. Enfin, on va essayer. Je rappelle la dernière fois, quoi. Il a peine bougé, quoi. Il y en a un qui est passé, hein, quand même. Ou pas. Elle est lente, Haru, quoi, c'est...
Oh non, tu viens pas là toi. C'est efficace ça. Le tourbillon il est efficace. Elle a nettoyé toute la salle. Oh là là, les dégâts qu'il met. Voilà, elle est tranquille. Très bas. Bon bah elle a fini. Hein. Tranquille. Tranquille, tranquille. Niveau SP on est bon. Pas de la bagarre. Oula c'est moi, pourquoi j'ai pris d'un coup méga cher là. Ah d'accord. Alors je vais pas vous mentir, j'ai absolument pas compris ce qui vient de se passer en fait. Genre waouh. Ça commence, tout le monde meurt et puis voilà quoi. C'est... En gros il s'est passé ça quoi. Ah, cool. Lorsque vous attaquez avec X, respecte bon timing, vous augmentez la puissance d'attaque d'un niveau. D'accord. Bon, ça demande un peu d'entraînement, ça. Ah, mais il y a un truc qui me tire dessus, qui me défonce. Ah, mais c'est ça, en fait. Qu'il y avait un masque qui se balade. Hop, ça c'est fait. Ah, les masques, il me les faut pour l'expérience. Et encore un petit. Ouais, mais ça fait que de repop en fait. Mana! C'est trop, non. Je disais qu'il y a un petit souci là. Voilà, on est bien. Let's go!
Il y en a encore là. Bah, a priori il devrait encore en avoir. Voilà. Bah voilà. Donc là ils ont vite des peuples. Faut mourir monsieur. Il n'y en a plus. Il y en a encore ? Vraiment ? Allez, faux pop là. Non, ils veulent pas. Allez ! Ah non, juste. Je suis trop con, c'est abusé, putain. Aïe aïe aïe. Bon, bref. Vous avez rien vu, c'est rien passé. À la limite, tous les obstacles, il ne reste plus qu'à joindre la tour. On va pouvoir récupérer ce qu'on est venu chercher. Ça va faire le deuxième, c'est ça? Bon, ça va, on avance, on avance. Alors. Qu'est-ce qu'on a de beau, là? Magnifique fleur. Hop, le nouveau noyau est à nous. Mais pourquoi c'est une fleur? Il y a peut-être un rapport avec cet employé qui a laissé la fleur faner. Je me demande si c'est lié à ce qu'elle a dit plus tôt. Sa volonté de faire de Sapporo un endroit agréable et attractif. Oula, pardon, désolé. Je comprends qu'elle y soit résolue, mais ça justifie pas son comportement. Mais je suis d'accord. En tout cas, on a récupéré le noyau. On n'a plus qu'à retourner au parc Odoli. Odoli. Donc ouais, il reste un noyau. Bon, Anne, elle a vraiment fait le taf. Enfin, Anne et Haru, là, ont vraiment fait le taf. Ah, regardez. Le mur de glace a fondu comme prévu. Et de la bagarre. Voleur, rendez-nous immédiatement ce que vous avez pris. Bah, non. Déjà, non. Ah. J'ai aucune idée de ce du sort qui nous attend, c'est une marque avant ça. Mais c'est bon, de toute façon, si c'est moi qui vous tue, elle, ça change rien. Il n'y aura pas de grosse différence. Ok, Talunda, Into rien. Into, je vais tirer dessus, le clic. Hop là, on va se calmer, monsieur. Le clic. T'es victimisé quoi. Bah voilà, y'a des autres qui arrivent. Je me disais là. Oula, pas bon, pas bon. Allez, on nettoie la salle. Ouais, reste plus que le boss. Pas mini boss. Plus de munitions. Enchaînement à l'infini là. Ah dommage. Ça me touche. Je
Allez, ça dégage. Level up. Oh, triple action, ça va être bon ça. Chance élevée de coup critique. Ouf. Ouh, ça va piquer. Ouh, ça va piquer. Ouh, ça va piquer. Shadow est une imité. Allons-y. Regardez, le mur de glace a disparu. Bah, tu l'as déjà dit ça. T'as déjà dit ça. Alors. Tac tac tac, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau de ce côté? J'ai la tour? Ok. J'avais oublié que c'était si court. Bon, faut faire le tour, hein, évidemment, mais... Quand même, quoi, on est à côté, quoi. Le donjon est bien là, mais... C'est la même barrière de glace qu'au parc d'Odiri. On ne pourra pas passer. Mais non, il y a juste derrière, pas vrai? Qu'est-ce qu'on fait, alors? Là-bas, peut-être? Alors, on va un peu escalader, là. On devrait pouvoir passer par là, tant qu'on arrive à grimper. J'ai vu une Nali, allez c'est parti. C'est pas qu'on n'a pas trop le choix de toute façon, mais pas trop le choix. Je vais les toucher d'ici ou pas en fait? Ah bah oui. Oh, tout simplement. Oh, t'as pu ramasser la caisse quand même. Non mais... Je veux descendre. Ok, je peux pas. Bon, très bien. Des fois, c'est des choix de conne un peu bizarres. On va s'en repartir, hein, pour une petite séance. On va essayer de tout ramasser. Ryuji comme toi. Dommage qu'on peut pas faire de figure ou quoi. Oh, j'ai pas... Ok, mon perso qui voulait pas tourner. Ouf, les pauvres. C'est pas des attaques nucléaires cette merde déjà. Non, c'est même pas nucléaire, voilà, c'était ça. Bah, je vais pas faire grand chose là. Ouais, il bloque psy, eux. Regardez le showtime pour après, en fait. Genre pour là. Comme je pensais, on peut rentrer par là. Allez, allons jouer. On se regarde, là. Allez. Attendez, juste parce que je crois que là, on a pris un peu beaucoup de level par rapport aux autres qui sont... Quoique non. Je vais enlever Sophie pour mettre Morgana temporairement. Voilà. Bon, pas entendu. C'est bizarre. Je crois que c'était un bug là. Par contre, là, il y a du monde. Hein. Là, je vais me faire plaisir. C'est parti. C'est bien pour commencer la surprise, ça. Nettoyage. Oh, tous les masques. On va faire un XP pour Arsène, ça. あと少しだ。一気にやるぞ。エストラ。嫌え。来い。
Vraiment d'autres attaques sur Arsène, hein, vraiment. Déjà ? Ok. Bon. Ok, je m'attendais à plus, mais. Écution de mer. Notre troisième noyau. C'est un badge ? C'est le badge du maire de la ville de Sapporo. Un symbole de pouvoir simple et efficace. Ok. Alors c'était un peu rapide, hein, on va pas se mentir. Comme si le jeu venait nous libérer de cette souffrance de ce donjon. Hein. Ah. Il bloque l'autre. Hein. Oh ouais, il absorbe carrément. Moi. C'est bien de se débarrasser des autres aussi, hein. Oh putain, tu sais quoi? Eh, pourquoi je peux pas? Ah merde, elle dort Anne. Déjà, j'arrive pas à suivre sur Anne, mais en fait elle dort. Bah voilà, allez. On se débarrasse des ZAD. Oh, en synchro classique. Oh le pauvre, oh là là, comme il s'est fait enchaîner. Bon bah au revoir. Hein. Adou trop forte, hein. Point faible trop fort. Et du coup, bah, on a tout. Je crois. Normalement. Ah, prends ça, toi. Hop, c'est cadeau. Toujours aussi efficace, hein. Allez, finissez-les. Moi, je vais juste récupérer l'item qui est derrière, là. Voilà, merci. Ah, il y a un mini-boss. Par votre faute, le monarque va nous punir. Vous pensez pouvoir agir en toute impunité? On a bien l'intention de poser cette question au monarque. On vous aura tous éliminés. Ah, Mitra. Bah, il est faible à tellement de trucs, quoi. C'est ridicule, quoi. Ah, par contre, moi je suis faible à ça, par contre, aussi. Oula, oula, oula. Et tape fort quand même. Wow, 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 wow. On se calme là. Il absorbe le feu? Ah merde! Ah merde, oh fuck! Oula, j'ai switch mauvais moment là. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. C'est compliqué là. Hein.
Ah mais il se bat ce salaud. On va pique le buff de Futaba là. Mais il est pas mort genre. Ok, prends ton showtime, ça tu meurs. T'as beau portant en plus. Allez hop là. Et donne ton masque. Mais non. Le bâtard, le petit bâtard. Yoshi. Excellent, ça fait fondre la glace. On n'a plus qu'à rentrer maintenant. Ouais, j'ai perdu assez de... Votre attention s'il vous plaît. J'espère que tout le monde va bien. Cette voix, c'est Mariko. Vous travaillez dur pour garder sa peau propre, pour en faire un lieu préservé de toute saleté. C'est l'heure de notre nettoyage quotidien. Tous ceux qui estiment faire partie de mon équipe doivent participer. Je compte sur vous pour éradiquer le moindre grain de poussière. Tout doit être absolument parfait. Celle de Sapporo, un endroit aussi pur que la neige. Quelqu'un arrive, cachez-vous. Oula, l'armée. Voilà ce qui se passe le jour où le Front National sort top des votes chez nous, tu vois. Mais d'où est-ce qu'ils sortent ceux-là ? Il y a des milliers. C'est la Hi-Horde infernale. J'ai mal à en croire mes yeux. On dirait une routine de nettoyage. C'est peut-être une mesure de sécurité périodique. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas attaquer le front. Faut qu'on revienne dans le monde réel pour réfléchir à un plan. Hi-ho ! Hi-ho ! Hi-ho ! Hi-ho ! Oula, Ryuji, comme toi. Qu'est-ce que toi aussi ? Ils sont atteints. Allez, ça suffit, on y va. Oh, elle est débile. Alors, qu'est-ce qu'on fait du coup ? C'est pour ça qu'on allait avancer un peu, mais c'était une vraie galère. Une galère ? C'était horrible. En jugé par le timing de l'annonce, c'était sûrement une mesure temporaire. Rien de plus qu'une équipe de nettoyage. Dans ce cas, on s'arrête là pour aujourd'hui. On va en profiter pour se reposer et se préparer pour demain. C'est pas juste un prétexte parce qu'il va se passer un truc dans la nuit. Ouais, on n'avait aucune raison de partir, hein. On a vu ça se planquer et puis voilà quoi. Je dirais d'aller au bain et... Combien de fois vais-je devoir le répéter ? C'est pas simple. Attendez, c'est... Mariko ? Vous savez que ce sont les citoyens qui pâtissent du manque de motivation du personnel municipal ? Excusez-moi. Pardon ? Vous pensez que je vais passer l'éponge parce que vous êtes malade ? Reprenez-vous et faites votre travail. Les citoyens de cette ville auraient honte de vous. Si vous tirez au flanc, vous ferez des heures supplémentaires pour combler le retard. Ah oui, d'accord. Je vais me rattraper. Le gars, il est malade et tout, quoi. Vous pensez qu'il va s'en sortir ? Facile de continuer à travailler dans cet état. Personne n'y arriverait. Faut qu'on intervienne. Ah, c'est vous ! Mariko, vous ne trouvez pas que c'est horrible de lui faire ça ? Horrible ? Oh, ma petite Alou, tu n'y es pas du tout. Tu n'y prends aucun plaisir, tu sais. Si j'agis de la sorte, c'est uniquement pour le bien de notre ville. Nous avons lancé une campagne d'un mois pendant laquelle notre personnel est censé nettoyer la ville. Ça permet de garder tout le monde en activité et d'améliorer le bien-être au niveau local. Un travail d'une importance capitale, et s'est empoté à le culot d'arriver en retard. Ouais, ça va, calme-toi un peu quand même. Comment pourrais-je être fier de lui ? Tout ce qu'il sait faire, c'est inventer des excuses.
Une campagne de nettoyage, hein. Vous pensez qu'il y a un lien avec la Hiorn? Je vous redirai pas. Arrêtez de rêvasser et mettez-vous au travail. Et il a pas l'air bien du tout, là. Le souci, Mopitaru, c'est que tous les employés municipaux de Sapporo sont de gros incapables. Si j'étais pas là pour les remettre sur le droit chemin, qui sait ce qui pourrait se passer? Ils pourraient très bien trahir ma confiance. Ils ont tout l'impression de pouvoir raconter n'importe quoi pour justifier votre comportement. Cette personne a besoin de soins. Elle n'est pas dans un état de travailler. Je vais vous aider. Venez avec moi. Désolé de vous importuner. Excusez-moi, mais que faites-vous au juste? Arrêtez, Mariko. Cette personne que je viens de voir, ce n'est pas la Mariko que j'ai connue. Qu'est-il arrivé à cette femme qui traitait tout le monde avec bienveillance? Vous étiez entouré de personnes souriantes. Les gens vantaient votre douceur et votre empathie. C'est ça dont je me souviens. Vous étiez mon rayon de soleil. Où est-il arrivé? Comment avez-vous pu devenir comme ça? Il faut que je continue, pour elle. Excusez-moi, mais je dois y aller. Que cela partie, Haru. C'est le monarque de la prison, donc notre ennemi. Si on veut changer les choses, il faudra le faire dans la prison. Je comprends ce que tu ressens, mais pour le moment, il faut qu'on emmène cet homme à l'hôpital. On dirait un peu à Daishi quand il est bourré. T'as raison. J'ai la liste des hôpitaux de quartier, allons-y. Bah tiens. On a conduit l'employé malade à l'hôpital avant de revenir au parc. Pas cool de traiter un employé malade comme ça. Pour qui elle se prend? Désolé. Elle est gentille avec nous, mais impitoyable avec ses collaborateurs. C'est vraiment bizarre. Je ne sais pas. Je comprends pas pourquoi elle agit de cette façon. Elle n'était pas comme ça avant. C'était vraiment quelqu'un de bienveillant. Que s'est-il passé? Il n'y a rien par le découvrir. Hein. Tu as raison, ça sert à rien de te torturer l'esprit. On va finir par connaître le fin mot de l'histoire. Pour le moment, il faut avancer. Même si on a rencontré un petit imprévu, on a réussi à sécuriser un accès au château. On s'infiltrera demain et on se rendra directement à la cage de Yodo. Oui, la cage. Il faut que j'arrête de cogner mon casque contre ce truc, quoi, ça. Ça va le faire. Bonjour Rita, bien dormi. Aujourd'hui on infiltre le château, assure-toi d'être correctement préparé. Donc je suppose qu'il y aura des quêtes de partout, tout ça. Bon, tout le crâne, on va se laisser ici. Il y a quelque chose de super important à raconter. Bon, quête secondaire, ok. Bah écoute, oh, 8 quêtes, bon. Ça fait quand même beaucoup. Bon, ça fait un épisode assez conséquent par rapport à d'habitude, mais bon. Hein. Je l'avais pas coupé en plein milieu, sinon c'était ridicule. Et donc sur ce, j'espère que ça vous a plu. Bah on est quasiment du coup, il y aura la cage à faire. Pour le verrou. Et après, il y aura le boss. Donc en fait, ça va voir, on a bientôt fini cette prison. Et je crois qu'après cette prison, il se passe des événements assez bizarres. Je dirais peut-être même un peu psychologiques, c'est un peu chelou. Et est-ce que je peux plus ou moins teaser sans trop spoiler? Bon, il y a une prison super stylée qui arrive très bientôt. Pas celle d'après. Je peux pas trop en parler de celle d'après, parce qu'elle est juste particulière, voilà, c'est tout. Je peux rien dire d'autre. Mais ça veut dire celle d'après, voilà. On y arrive, très bientôt. Donc sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des autres, portez-vous bien, et je vous dis à plus tard, ciao ciao!